Bonjour Laure. Bonjour Françoise. Merci Laure d'accueillir les Malouins dans la course dans un endroit que vous allez nous faire découvrir dans la petite vidéo qui va accompagner toute cette interview. Une villa début de siècle à Saint-Malo. Beaucoup, beaucoup en rêve de ce type de maison. Comment vous l'avez rencontrée cette maison? J'ai provoqué ma chance parce que je l'ai recherchée. En fait, je me suis entourée de professionnels pour pouvoir visiter quelques villas sur la digue. Et en l'occurrence, cette villa s'appelle la Villa Colibri. C'est l'ancienne pension de famille de l'hôtel Alexandra, qui est un des premiers sites culturels du patrimoine malouin. Et au-delà du charme du lieu qui est assez inouï, le fait que ce soit une pension de famille était une chance incroyable pour moi de pouvoir justement d'entrée de jeu dans un lieu tout de suite poser le caractère de l'offre en fait que je propose, à savoir des bureaux, des salles de séminaire, des événements professionnels, voilà, dans un esprit comme à la maison, cosy, dans l'esprit malouin, et de ces très belles villas de fin 19e. Alors, pour faire simple, on va dire tout de suite que vous êtes Malouine. Eh oui, Voilà, on n'arrive pas dans ce eh type de maison sans avoir un petit peu d'atavisme. Vous mais êtes non. Malouine, vous avez dû quitter Saint-Malo très jeune avec une seule idée en tête, c'était d'y revenir. Oui, j'ai jamais vraiment quitté Saint-Malo parce qu'en fait, j'ai grandi entre la région parisienne et Saint-Malo pendant toute mon enfance. Ma grand-mère habitait à quelques pas, donc c'est sur la plage de Rochebonne. Donc c'est un spot que je connais et que j'ai Voilà, largement et c'est fréquenté quand un juste retour des choses. un juste retour des choses, exactement, de pouvoir concilier terre et mer. Et voilà, et c'est une chance d'avoir pu réaliser ce rêve il y a maintenant 7 ans, de pouvoir complètement me domicilier ici à Saint-Malo et de pouvoir y développer en fait une activité professionnelle et retrouver en même temps des copains d'enfance et tout ça. Alors, cette villa Colibri, hein, ce petit oiseau est bien solide et bien planté maintenant sur Saint-Malo. Cette villa offre tout un tas de possibilités dont je vous laisse nous expliquer un petit peu tous les contours. Alors, le principe, c'est véritablement de pouvoir arriver ici pour pouvoir se réunir, partager un bon moment, donc à la fois dans un esprit plutôt professionnel de réunion, donc soit d'entreprise, soit de club d'affaires, de réseau, j'allais dire peu importe. C'est réservé à une clientèle plutôt professionnelle et grâce à des partenaires malouins également et de proximité, comme par exemple l'atelier de Charlie. La maison Varin, à côté aussi les Charmettes que tout le monde connaît, ou la Avec Rainise. un très joli sujet qui court en ce moment sur les Malouins. Exactement, voilà, et Fabrice a été excellent comme d'habitude. Voilà, donc on travaille tous ensemble. Il m'accompagne aussi dans cette aventure, en complémentarité, notamment pour pouvoir proposer à mes hôtes, lorsqu'ils sont en séminaire ou en journée d'études, de pouvoir déguster toutes les petites saveurs qu'ils savent préparer ou les accueillir, notamment en termes d'hébergement et de restauration, pour varier les plaisirs. Donc c'est un espace de coworking exceptionnel à l'intérieur d'une villa qui a son histoire. Oui, alors plus que du coworking, j'en fais un petit peu, plutôt en complémentarité avec, j'allais dire, les partenaires aussi de Saint-Malo, en l'occurrence pour les cités fribouteurs. Moi, plus que du coworking, en fait, c'est plutôt vraiment séminaire, salle de réunion, journée d'études, événements professionnels, donc que ce soit en matinée ou en soirée. On peut aussi privatiser la maison pour faire des événements professionnels le week-end si on le souhaite. Voilà, et le principe en fait est vraiment de travailler avec le client le projet au plus près de son besoin, du caractère qu'il souhaite donner à son événement ou à sa journée d'études, et puis aussi à son budget parce que il faut pouvoir aussi accompagner les clients sur ces aspects-là. Voilà, et donc le côté très atypique, c'est effectivement d'être dans une pension de famille, donc d'être vraiment comme à la maison, mais en profitant à la fois du côté cosy des salles de réception et du côté aussi technologique des bureaux et des salles de réunion avec évidemment le wifi, les imprimantes, Voilà, c'est ce que etc. j'allais vous dire. Vous êtes complètement équipé en tout ce qui est Bien sûr. Bien sûr. Wi-Fi et
Voilà. et rapidité dans tous les passages d'informations, dans tout ce Ah dont ben, on bien a sûr. besoin. Hein. Bien Voilà. sûr. Et puis en allant même un petit peu plus loin avec des équipements, je me suis digitalisée, je suis passée dans la troisième dimension. Voilà, en C'est m'équipant toute une d'écrans aventure. d'affichage. Exactement. C'est un vrai apprentissage. Voilà, d'écrans d'affichage et puis d'écrans aussi numériques, des paperboards numériques où on peut incruster des photos, envoyer tous les supports de présentation par mail, enfin. Voilà, on est vraiment dans la troisième dimension, mais très accessible, interactive, facilitante et tout à portée de main en ayant vue sur mer ou en prendre un petit break aussi sur les terrasses, donc vue mer ou dans la cour. Enfin, voilà, c'est. Laure, avant de nous séparer, j'imagine bien que la gravité de la situation avec le coronavirus vous a forcément impacté comme tout un chacun. C'est une période un peu compliquée à vivre en ce moment? C'est une période compliquée, comme tout à chacun, l'effet de surprise et l'effet massue. J'avoue que j'ai très mal vécu ce moment-là au début. Ça a été vraiment un choc inouï, avec une sensation de privation très forte. Émotionnellement, ça a été effectivement très compliqué à vivre dans le moment. Doublement compliqué puisque je suis en pleine phase de lancement. La Villa Colibri, ce bel oiseau, en fait, a pris son envol le 9 septembre 2019. J'avoue que sur le plan de l'exploitation, pour être très terre à terre, c'est un petit peu compliqué à 6 mois à peine de développement et en plein lancement de saison de devoir s'arrêter aussi nettement sans savoir avec précision en fait combien de temps ça allait durer et selon quelles modalités on allait pouvoir ouvrir. Voilà, donc maintenant ces 2 mois ont été compliqués à passer, mais se sont bien passés. M'ont donné aussi l'opportunité pour le coup de me poser les bonnes questions, de pouvoir prendre le temps de travailler aussi quelques aspects que j'avais pas eu le temps de travailler depuis le lancement de cette activité. Voilà, donc il y a plein de projets pour l'instant qui sont en train de se remettre en place avec une meilleure dimension. Donc finalement, bon, je dirais pas que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas c'est une opportunité de voir les choses aussi autrement. Et puis, plus profondément, une opportunité aussi de goûter la chance que j'ai d'avoir un lieu comme celui-ci à développer pour mes clients, à vivre aussi pour moi, pour mes propres activités. Voilà, et donc depuis la réouverture lundi, c'est un grand bol d'air, une grande C'est du joie. bonheur. Alors, C'est du bonheur. merci beaucoup Laure de nous avoir fait partager ce moment Merci à vous. de délices, parce qu'il faut le dire. Voilà. On aura certainement un jour ou l'autre le plaisir d'aller faire des tournages du côté de la Villa Colibri. Rien que Avec ce grand plaisir. nom-là, on a envie d'y aller. Et Oui. puis on va mettre évidemment dans le petit texte d'accompagnement toutes les coordonnées qui vont bien pour pouvoir vous contacter le plus vite possible pour tous les besoins des entreprises qui nous suivent. Merci, merci D'accord. beaucoup Laure et Merci. bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup, Au Françoise. À revoir, bientôt. au Au revoir. revoir.